Salut, donc on parlait autrefois de l'autocollant que je cherchais pour toi. Donc voilà comment j'ai fait moi pour organiser ma petite collection d'autocollants, ceux que je ne pose pas sur mes affaires. Je les mets dans des pochettes comme ça, c'est normalement fait pour les cartes de visite, mais en fait ça va très bien pour les stickers. Là j'en ai quand même pas mal. Alors là c'est des petits personnages par exemple, là c'est des marques diverses, là c'est encore des personnages voire des marques associées à des marques. Là, c'est des Batman, là, c'est des symboles à la con du genre waouh, des fuck, des doigts, des choses comme ça. Là, c'est tout ce qui concerne ce petit personnage sous différentes formes. Là, c'est tout ce qui est Marvel et autres, et DC. Là, c'est un peu plus généraliste, c'est un peu plus en mode portrait. Bon, là, c'est une pochette plastique monofeuille standard. Ça, c'est des autocollants, là. Cette machine n'a pas de cerveau, utilisez le vôtre, qui viennent de chez, comment il s'appelle, la Grotte du Barbu, la chaîne YouTube. Donc j'en ai pas mal comme ça. Ça, c'est du software, mais en grand format, donc c'est pour ça que je les ai gardés comme ceci, dans une grande pochette. Je ne sais même plus ce que c'est le rond. Ah oui, c'est Scratch. Scratch Assembly. Bon là c'est plutôt tout ce qui est silicium, silicium.org évidemment. Alors soit les copains de silicium qui m'ont donné, soit des autocollants officiels de silicium, donc celui-ci étant le plus récent. Les Laser Computers and Apple II est aussi un truc lié à l'organisation des appels de festival que Philippe, je crois, a fait faire. Donc ça c'est Sylvie, je sais plus comment, Pereira ou un nom comme ça, qui a sa chaîne YouTube, qui travaille le bois. Tout ça après c'est du logiciel libre concrètement, ou en tout cas du software, à part le Kalim là, qui est en fait des accessoires optiques. Donc là pareil, du CSS, l'Oxitel c'est encore du silicium, la Grotte du Barbu, comme je disais tout à l'heure, différents formats, parce que j'ai déjà commandé du matériel et des goodies. Du soft, du Linux, du silicium encore en dessous. L'Apple Festival France dont je parlais, donc ça a organisé vis-à-vis de silicium également. Tracim, qui est une application libre de. Enfin, un portail web concrètement, destiné aux associations. Façon. Portail d'organisation, mailing, planning et choses comme ça. Une critique des GAFAM bien sûr, l'April évidemment, Vente Forcée bien sûr, DRM bien sûr, Facebook Listening bien sûr, tous les grands classiques. Code is an art, of course, Red Hat, Open Hardware bien sûr également, Docker. Donc Atmos et ainsi de suite. Donc j'en ai quand même pas mal en fait. Alors je passe un peu lentement parce que je veux pas rater celui dont je te parlais, si jamais je l'ai toujours, pour pouvoir te le donner. OpenStreetMap, donc la version libre de Google Maps, enfin de Street View concrètement. Python, C, Tor. On va arriver sur la fin. Les autocollants d'Artilect. Faudrait qu'ils en refassent d'ailleurs. Et on arrive à la fin. Donc celui que je voulais te fournir, je ne l'ai plus. Et puis là, ben, je viens de récupérer un lot là qu'on vient de me donner, qui est grosso modo ceux que j'ai déjà, je pense. Pour une grosse partie d'entre eux, hein, tu vois, c'est que de la geekerie, hein, c'est du Git, c'est du. Tiens, celui-ci, je l'avais pas, je crois. Ruby, Tor, C, et ainsi de suite. Un petit lot que j'ai récupéré aujourd'hui. C'est quelqu'un sur eBay qui vend des lots d'autocollants avec différentes thématiques. C'était pas très très cher, il me semble. C'était. Je l'ai commandé la semaine dernière, ou alors dimanche soir, peut-être bien. Et on est aujourd'hui jeudi. Donc je les ai reçus ce matin. Donc c'est quelqu'un de rapide en plus. Donc désolé, mais l'autocollant We Make Minitel, je n'en ai plus. À plus. Bon après je pourrais toujours t'en échanger ou t'en donner d'autres, hein, c'est pas la question. À plus.